Hello les Rocks. J'espère que ça va bien la famille. On se retrouve du coup pour du IQ, le dernier épisode. Final. L'épisode précédent, il était quand même incroyable. Il était ouf. Il était ouf. L'épisode précédent, c'était du IQ. C'était du IQ, frère. On a attendu ça toute la saison. C'était le meilleur épisode de la saison. On est d'accord pour le dire. Franchement, ouais. Excellent. Excellent. Ouais. Franchement, tu sais que là, j'ai fait comme les viewers. C'est-à-dire que j'ai regardé l'épisode chez moi, vu que j'étais pas avec vous. Et ensuite, j'ai regardé votre réaction. Et voilà, j'avais la haine de pas être là. J'avais trop la haine de pas être là. T'as senti. Mais parce que j'étais comme vous en fait, j'étais. Ah non, c'est ça, t'es toi. Que pendant que je montais l'épisode, j'avais les mêmes réactions la veille. C'était un truc de fou, hein. Anthony qui m'appelle le lendemain, il me dit gros, j'ai revu l'épisode au moins 3 fois depuis. Je fais ok, ça va. Exactement, je suis à 9 fois j'ai vu cet épisode. Ok, le ratio est confirmé. Bah, du coup, maintenant, c'est le dernier épisode de la saison. Hein. Karasuno a gagné contre Itadori. Hein? Non. Itadori, c'est dans la cuisine. Oulala. Comment s'appelle l'équipe en face? Pourquoi tu peux Itadori Izawa, un truc comme ça. Spitzdainer saison 2, hein, saison 3. Hein, c'est pas ça, Itadori. C'est pas Shiratori Zawa, il a dit Ishatori Zawa. C'est Inaizuki, je crois, je sais plus. Inarizuki. Ouais, bon, ça. Bref. Désolé si on se trompe. Hein. Je pense qu'on va avoir droit à un petit épisode en mode GG, on a gagné et tout. Mais en même temps. Hype avant la fin, enfin pour la prochaine saison. Parce qu'en fait, il y a peu de gens qui s'en rendent compte parce qu'ils oublient peut-être. C'est juste un premier match, Adrien. C'est juste. Ouais, mais je pense que c'est un match avant. Oui, ouais, je sais, mais je veux dire, c'est un des débuts de match du tournoi. Ouais, mais là, ils sont tombés sur une grosse équipe, c'est ça le truc. Bah, attends, la saison prochaine, il y a. Bah, maintenant, il y aura que des grosses équipes. Attends, Nekoma. Le prochain, c'est Nekoma. Et il va avoir une saison par match. S'ils gagnent, il y a encore une équipe encore plus forte. Mais je pense que c'est l'une des plus fortes équipes qu'ils ont affrontées du tournoi, les gars. Avec les jumeaux, ouais. Oh, les jumeaux, ils étaient trop. C'est l'équipe. Ils avaient du charisme. Les jumeaux, ils étaient trop. Là. Mais toute l'équipe. Hein. Oh, toute l'équipe était incroyable. C'était lourd. Bah, du coup, maintenant, on va voir comment ça va donner. Hein. J'espère qu'ils vont, ils vont bien faire ça pour le dernier épisode de IQ, les gars. J'espère qu'ils vont aller pour la prochaine saison. J'espère qu'on va pas devoir attendre un an et demi pour la suite. Quoi. Non, à mon avis, non. Bref, les gars, on se lance ça. Action. Réaction, la famille. IQ, oh là là, l'attendu des jumeaux. Oh là là. Beau zéro. Tu sais que j'ai vu la planche en scan. Elle était incroyable. J'ai jamais vu. Hey, tu sais que j'ai jamais vu une planche de IQ. Ah bah moi sur Twitter, il y a un mec qui a mis cette planche là de l'attendu des jumeaux, elle était incroyable. Putain, j'ai jamais vu, c'est bizarre. Hein. Ouais, j'ai des frissons. La musique. Et là, ils arrivent. Oui, c'était trop beau. S'il vous plaît. C'était trop beau. Inata, je pense que c'est grâce à Inata qu'ils ont, vraiment gagné cette game. Inata, moi je pense que c'est le MVP du match. Ouais, c'est le MVP. Hein. Tu vois, quand on voit ça dans les yeux du gars. Il a sauvé l'équipe en termes de performance et en termes de mental aussi. Comment ça, du gars, c'est le capitaine. Ouais, mental et performance. Il a été partout en fait. Il a été à l'attaque, il a été en défense, il a été même au. Mais il a motivé les troupes aussi. Au mental, ouais, voilà, c'est ça. Ah non, de ouf. Inarizaki, voilà, c'est ça. Et pas Ishatori Kawa. Ça m'a retombé dessus dans les commentaires, ils vont m'insulter. Aïe, oh, il saute. Quel plaisir, ça, c'est... Ah, les frissons. Les gestes barrières, les mecs. Quel plaisir. Oh, j'en tiens fort. Putain, je suis trop content. Voilà, ils savent ce qui est leur prochain ennemi. J'ai que des frissons. J'ai que des frissons, moi, c'était pas là, c'est réel. Lui, il a trop bien joué, lui. Ils ont tous trop bien joué. Alan, il a trop bien joué. Même lui, il a trop bien joué. Capitaine aussi, il a trop bien joué. Ils ont tous trop bien joué. C'était un match de folie. J'ai encore des frissons, je sais pas pourquoi. Ils ont tous trop bien joué. Ils méritaient tous les deux la place, en vrai. Plus loin. Oh là là, ils ont trop bien joué aussi. J'espère que ça va pas les briser, au CD. Oh là là. Il va faire un manga juste pour cette équipe aussi. Juste pour les jumeaux, c'est le... Même pas de voler à fouiller. Ouais, ils sont cuits. Un petit OAV pour eux, comme ça, c'est bien. Oh,
foreshadowing ou... C'est un sale foreshadowing ça. Oh là là, déclaration de guerre. Mais IQ, c'est pas fini en scan. Je sais pas. Je crois que ça s'est fini, y'a pas mal. J'ai des frissons. C'est trop beau ce qui vient d'arriver. Oh my god. Shit. Ça s'est fini il y a un moment. Oh non, putain. Ça me dégue de savoir que c'est fini. Vite. Pourquoi ça dure pas 1000 chapitres comme One Piece? Il a raison, moi. Il a raison, c'était un sale match. C'était un putain de match. Moi, je veux pas la pitié. Moi, j'aime pas la pitié. Mais c'est même pas de la pitié, gros. C'est respect pour la performance effectuée. Il y a rien de perdu en soi, mis à part le match. Oh non, tu perds jamais rien. Que du plus, quoi. C'est une mince. Oh, allez. Ah, lui, il a pas d'émotion. Hein. Faut lui demander à lui. Hein. Ouais, je me demande si on va voir le capitaine pleurer ou un bail comme ça, tu vois. Vu que c'est un gars qui a pas jamais d'émotion, tu vois, peut-être quoi. Arrête, j'ai frisson. Peut-être que là, il fait le guerrier devant les gens. C'est ça, gros, c'est ça, arrive. Tu vois, il fait le guerrier devant les gens et puis. Il va tilt. Genre, vraiment, c'est le mec qui souffle le plus en vrai. Mmh. En face. Aïe aïe aïe. Ah, la mentale. Hein. Oh, tu vois, juste le fait qu'il sourit, genre, c'est une dingue. Ah, pendant le match aussi. Ouais, quand il était de son côté. Ah, je vais chialer fort. Ah, là que je vais chialer fort. Oh là là. Oh my god. Petite salope. Bon, bah les couilles, mon pote. Aïe, qui mon frère? Petite salope. Oh. Oh. Ah. Et le moment incroyable. Ouraï! Shit. Elle était puissante, hein, pour que... Encore plus profondément. Il... Oh, la drogue, hein. Le volleyball, c'est la drogue, hein, maintenant. Donnez-moi un autre manga qui fait ça. Un vétéran du taureau, quoi. Oh là là, putain, mais j'ai déjà vu! Je le revois! Oh, on voit la manageuse plus que le match. C'est une frappe, ouais. C'est un bon moment là. Ouais.
Je me suis dit, oh. Ils vont aller, sale dos. Et ils vont aller jusqu'en finale sale. Ouf. C'est qui celui-là, oh, les gars? Il est dangereux. Mon cœur. Ah, c'est vraiment les anciens qui parlent des futurs. Parce qu'ils savent qu'après c'est fini. Pour eux, ouais. Pour eux, ouais, c'est fini. Ouais, ça c'était pour refaire la passe derrière, ouais, c'est incroyable. Ouais, pour calmer le jeu. Ouais. Moi aussi, et 9 fois, 9 fois j'ai pleuré, gros. 10 maintenant. Bon, ils parlent comme des vieux de 60 piges, ouais, ouais, qui boivent du café. Genre, c'est vrai que la génération... Alors qu'ils ont un en plus fini. Vraiment. C'est incroyable. Bon, elle est bonne. Même elle, elle est soulagée un peu du... Ben ouais. Les deux, elles sont soulagées. Mais dis pas qu'ils sont en train d'observer. Elles font partie de l'équipe. Hein. Non, ça va. What the fuck. C'était quoi ça? C'est non. Les fesses d'or. Un de ces sous-marins, un fou. Genre les Neko qui regardent. Y'a que des signes comme ça. C'était un chat espion. Oh là. La POP. La pop. Aïe aïe aïe. Putain, Kageyama qui sourit, tu me prends ça en screen. Hein. Là, il se dirige vers le match. Hein. Enfin, vers, Oh Qu'est-ce que ça va se fight avec des épées? Ouais, ça c'est vraiment. Oh, il sourit! Bah ouais, c'est rare! C'est une rivalité, c'est des amis, tu vois. Voilà! Merci d'avoir suivi cette saison. C'était une dinguerie. C'était incroyable, les gars. Très belle fin de saison. Honnêtement, je suis content de cette saison de YQ. Bien rigolé. Fin de saison sobre. Sobre, mais plein d'émotions. Mais efficace. Ouais, ouais. Ouais, c'est plein d'émotions. Il a pleuré du bug là. Ah ouais, c'est vrai. Donc, mais moi, je pleure pas. Pourquoi? Pourquoi tu pleures pas? Et maintenant, tous les extraits où Niki pleure. Il y en a pas. Ouais, bah, j'ai essayé. Hâte de voir maintenant, du coup, Karasuno contre Nekoma. Et du coup, bah, franchement, c'est l'une des premières fois où. Enfin, ça arrive très peu de fois dans les mangas où je me dis putain, les ennemis, respect, tu vois. Ah ouais, en parlant, tu parles de Nekoma là. Ouais, non, pas de Nekoma. De eux. Inarizaki. Ok. Bah, moi, j'ai cette pensée uniquement sur IQ. Mais toi, t'es fan d'IQ, t'es pas objectif. Non, mais non, vraiment, j'ai genre. Non, c'est vrai que t'as trop d'amour pour IQ. J'ai de l'amour pour IQ. Il y a zéro objectivité de ta part. On te pardonne. Écoute. C'est pas grave. IQ ou Shinjiki actuellement? Hein? IQ ou alors Shinjiki actuellement? Voilà, ouais. Non, putain de fin de saison, la famille. Putain non, moi, je suis content en tout cas, personnellement. Maintenant, j'espère que. Comme t'as dit, on va pas attendre un an et demi ou deux là pour la prochaine saison. Ça va pas être annoncé pour l'instant. Mais à mon avis, je pense qu'on aura ça pour l'automne prochain maximum, tu vois. Ouais, je pense aussi. Je pense aussi. Tu vois la même période. Hein. Ouais, en tout cas, j'espère qu'on va pas attendre plus d'un an. Et à mon avis, la prochaine saison va être ouf aussi. Hein. Et je pense pas que. Bah, c'était comme ça avec saison 2 et saison 3. Ouais, c'est ouais, ça. Ouais, c'était un an. C'était max, non, même pas. C'était fini donc en décembre. Mm-hmm. Et en mai qui a suivi, de l'année lancé. Suivante. Il y a eu le début de la saison 3. Ah, mais là, il y a Covid. Ouais, c'est vrai que. Qui pose problème. Mais vous inquiétez pas, dans tous les cas, si IQ est là dans un an, RBA sera là dans un an, les amis. C'est ça, les gars. Comme d'hab. C'est peut-être trop aussi.
Ouais, peut-être on va tomber, hein, qui sait. Peut-être la chaîne va tomber. Bon. Bref, dans tous les cas, merci d'avoir suivi ça avec nous, la famille. N'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, partager la vidéo. Nous suivre sur le réseau, le Twitter, l'Insta, le Discord, le Twitch, tout est dans la description. Nous, on se dit à la prochaine, du coup. Abonnez-vous. Abonnez-vous, c'est vrai ça. Force de frappe. Esprit de l'équipe. On est ensemble.